Je disais, s'il n'y avait pas d'Isard, qu'est-ce que je ferais là? Mais enfin, au bout d'un moment, on devient un peu, ce que vous dites, un partenaire de l'Isard. Puis en plus, on étudie, on regarde et tout. On n'a pas besoin de chasser tout le temps. En montagne, on va regarder des Isards, on va les filmer, on va... Et puis après, on apprend. Ça, c'était quelque chose qui est... On ne peut pas l'expliquer, ça.